Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de Nextaz? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Yo les gens, c'est Nextaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo très importante. Je vais répondre à une question qui me revient souvent sur mes streams, sur mes vidéos, et aussi on en a parlé avec la Sigma. Donc c'était vraiment très important cette vidéo, fallait vraiment que je vous en parle. Aujourd'hui les gars, on va répondre à la question: est-ce que j'ai quitté la Sigma? Le gameplay, je sais même pas ce que ça va être les gars, je suis vraiment désolé, j'ai pas du tout le temps. Aujourd'hui on est dimanche, après je vais sortir. Donc je suis désolé, j'ai vraiment pas du tout le temps de vous faire un petit gameplay. Je vous mettrai un gameplay qui est déjà passé sur ma chaîne, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, un petit gameplay énervé, tout ça. Et juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes, c'est vraiment très important pour cette vidéo, parce que cette vidéo je pense qu'elle mérite du soutien, amplement beaucoup de likes, ça serait vraiment cool de votre part les gars. En tout cas n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager et à surtout vous abonner les gars. On a bientôt 5000 abonnés, le petit trophée YouTube, ça serait cool. Et en tout cas voilà, merci beaucoup si vous le faites, ça ferait plaisir frérot. Et juste avant de commencer la vidéo les frérots, j'aimerais juste vous remercier vous tous, merci beaucoup de me suivre au quotidien, merci beaucoup de me suivre au quotidien sur mes vidéos, sur mes streams, merci beaucoup de suivre mon frère, etc. Ça fait vraiment super plaisir les gars, merci à vous. Depuis que je refais du Call of Duty, c'est-à-dire depuis que je suis actif, c'est-à-dire 4 jours, je prends un plaisir fou à faire des vidéos. Je regarde les commentaires, je me régale visuellement. Au niveau des likes, c'est vraiment magnifique. Malgré le petit dislike bot que je me suis mangé, c'est pas grave du tout, je m'en contrebats les couilles en fait. Mais franchement, merci beaucoup pour tous les likes que vous me donnez, tout simplement, toute la force. Ça fait super plaisir les gars, n'hésitez pas à continuer. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Moi en tout cas, je prends un plaisir fou en ce moment à faire des vidéos, même si le bac approche, j'ai eu mes oraux, etc. C'est vraiment la merde, mais vous inquiétez pas, les vidéos arrivent en masse et surtout les bonnes vidéos. Alors, est-ce que j'ai quitté la Sigma Clan? Je vais vous répondre très franchement et très brièvement, non, je n'ai pas quitté la Sigma Clan. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a mes potes dedans et je vais pas laisser mes potes en plan, tout simplement. Je vais pas laisser mes potes dans la merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une pute. J'ai quand même des potes, des amis qui sont dans cette team et je vais pas les laisser tout seul à, comment dire, se développer tout seul, en fait. Je vais pas les laisser tout seul dans la merde. Pourquoi les gens disent ça? Je vais vous y répondre. Tout simplement parce que sur la Sigma, on fait plus trop de vidéos de qualité. On va pas se mentir. Au début de la Sigma, voilà, on faisait quand même des trucs sympathiques. Les gens nous suivaient. On faisait des trucs sympathiques, des trucs what the fuck, oh my god, bim bim bim, des trucs sympathiques, tu vois. Et à l'heure actuelle, je suis désolé, mais moi personnellement, en ce moment, tu vois, ça fait à peu près un mois, deux mois, tu vois, que je ne suis plus du tout la Sigma en fait. Je m'occupe même plus des vidéos, je m'occupe plus de rien. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, parce que le changement a totalement changé en fait. Le contenu a totalement changé, c'est plus de la Sigma en fait. La Sigma, ça avait, comment vous dire, une réputation de bonne team avec de très bons joueurs, de type Xerox, moi, on avait quand même une très bonne équipe de base. Et malheureusement, ça s'est un peu dégradé. Voilà, il y a l'équipe qui s'est pas dissoute, mais genre voilà, il y a certaines personnes qui sont allées faire leur chemin de leur côté. Et bon, ça c'est voilà, on peut rien faire, malheureusement, on peut rien dire, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, s'ils veulent partir, si voilà, c'est on peut rien dire, tu vois ce que je veux dire. On peut juste qu'honorer leur choix en fait. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça que les gens disent ça. Et moi, je peux vous mentir, les gars, que je sais très bien que c'est un petit peu de ma faute. Que en fait, genre, j'ai créé la team, tu vois, j'ai créé la team avec l'équipe de base. Et en fait, de base, on devait faire des vidéos, etc. Et moi, j'assume totalement que je dormais, c'est à dire que en fait, moi, je dormais au niveau de la team, je dormais, je ne faisais plus trop le taf, voilà, je faisais plus trop de vidéos, etc. Et j'en suis totalement conscient et je l'assume totalement. Je ne faisais plus de vidéos et j'en suis désolé les gars. Désolé tout simplement de vous avoir fait une grosse hype autour de la Sigma et tout simplement de ne pas avoir fait de vidéo. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Tout simplement parce que j'ai bientôt le bac. Donc ça c'est très important. J'ai 17 ans, je suis en terminale, donc quand même faut que j'obtienne le bac à la fin de l'année. Parce que bon, on va pas. Enfin voilà, tu vois, je vais pas repasser une année bêtement alors que l'année s'est super bien passée. Donc faut que j'obtienne le bac, c'est-à-dire qu'il faut que je me prépare, etc. J'ai fait mes euros. Donc mes euros, vous pouvez demander à tous les membres Sigma. Ils vous diront tous que oui, Nextaz a travaillé. Nextaz a travaillé pour ses euros. Donc voilà, j'ai eu ça à préparer, c'était très chiant, etc. Les gars, je suis vraiment désolé. Et aussi j'ai ma chaîne. Ma chaîne YouTube qui a quand même 73 000 abonnés. 73 000 personnes qui te soutiennent. 73 000 personnes derrière toi. Vous imaginez 73 000 personnes derrière toi? C'est énorme, c'est énorme. Et malheureusement, j'ai dû passer énormément de temps pour ma chaîne. Et même sur ma chaîne, je dormais, les gars. Même sur ma chaîne, je dormais. Je me suis réveillé il y a 4 jours. Il y a 4 jours, je me suis réveillé. Je me suis dit, non, tu peux pas continuer comme ça, mon gars. Tu peux pas continuer comme ça. Fais ton plaisir pour les vidéos. Fais du call-off. Fais de temps en temps des pranks. De temps en temps. De temps en temps. Est-ce que je vous ai fait énormément de pranks là ces derniers temps? Non? Ça fait 4 jours que je tourne avec du Call of Duty. Ça fait 4 jours que je tourne avec des vidéos sympathiques. Donc voilà. En plus, dans le futur, il va y avoir Minexaf qui va revenir. De base, on devait tourner une vidéo, mais malheureusement, il est sorti. C'est pas grave. Mais voilà, tu vois, on va refaire des vidéos. Minexaf va revenir. On va refaire des vidéos sympas. Là, on repart petit à petit, tu vois. On redémarre le moteur, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir même un compte Grand Diable.
des trucs sympathiques, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je suis vraiment désolé d'avoir un petit peu délaissé la Sigma. Je suis vraiment désolé les gars, excusez-moi, vraiment excusez-moi, parce que j'étais quand même censé être un leader avec Drist. On reprend tout en main, d'accord, on reprend tout en main ce soir. Ce soir on va tout reprendre en main à 1000% avec Drist les gars. On va tout reprendre en main, c'est-à-dire les vidéos, ça va être donnant, on va faire les vidéos, on va tout faire, on va tout gérer. Et voilà, si personne ne veut, en tout cas voilà, on est vraiment désolé, désolé pour tout ça, désolé pour tout simplement toute cette hype, alors qu'on n'a pas fait des trucs de malade mental. On a recruté des personnes qui nous ont lâchés au fil du temps. Bon, ça malheureusement on peut rien faire, voilà, c'est des personnes qui ont des, comment vous dire, bah qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Bon après voilà, tu vois, chaque personne est différente, chaque personne a un âge différent, a une mentalité différente, etc. Mais malheureusement moi je ne lâcherai pas des frérots et je ne lâcherai pas la Sigma, parce que la Sigma c'est quoi? C'est mon bébé, et mon bébé je ne lâcherai pas, parce que quoi, je l'aime. En tout cas j'espère que vous kiffez la Sigma clan, j'espère que vous me kiffez aussi. Non mais gros, tu vois ce que je veux dire, on est sur ma chaîne, j'espère que vous me kiffez un minimum, tu vois ce que je veux dire. Non franchement les gars, merci beaucoup de me donner de la force au quotidien, ça fait super plaisir. Merci beaucoup de liker les vidéos, merci beaucoup de commenter la vidéo, merci beaucoup de les partager, de vous abonner, de partager la chaîne, ça fait super plaisir les gars. Merci beaucoup, j'espère que vous prenez du plaisir pendant les vidéos, enfin quand vous regardez les vidéos tout simplement, parce que voilà, je fais des vidéos pour vous, je fais des vidéos pour vous, ne l'oubliez jamais. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On revient en force les gars, de partout, la Sigma, Nextase, on va niquer YouTube Game français frérot, YouTube Game Call of Duty, de toute façon, la concurrence, tu vois ce que je veux dire. Non franchement, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Maximum de pouces bleus les gars, n'hésitez pas à marquer en commentaire des trucs sympas, voilà. En tout cas c'était Nextase les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 19h. Peace!